Je remercie le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation de m'avoir associé à cette activité de réflexion sur ce diplôme. Ce matin, le docteur de l'Université disait emblématique, mais c'est un diplôme surtout mythique qui consacre la mutation de l'élève en étudiant, c'est-à-dire en futur maître, en futur formateur, en futur chercheur et surtout en futur innovateur en tant que docteur. Ce qui est à saluer dans cet atelier, c'est surtout cette volonté d'inscrire l'organisation de ce diplôme dans la dynamique de l'évolution et de l'utilisation des TIC, mais d'employabilité aussi des ressources humaines formées et de leur intégration réussie dans le monde du travail. Ce qui est surtout à saluer aussi, c'est cette volonté d'inventer le futur, mais dans une perspective d'intégration africaine qui procède de la prise de conscience qu'enfermé sur soi-même, aucun de nos pays n'a de chance réelle de se développer. Toutefois, le nouveau faisant peur, il faut une bonne dose de courage pour innover. Ce n'est pas pour rien que le substantif d'innovation a été ajouté à la dénomination du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Monsieur le Premier ministre a pris bonne note de la tenue de cet atelier pour l'avoir évoqué mardi dernier dans le cadre de sa déclaration de politique générale. Ça s'est au vu et au su de tout le monde. Le connaissant très proche de ces dossiers, je suis sûr qu'il attend les conclusions de vos travaux et je ne peux manquer de les lui faire parvenir. Donc c'est sur ce, je voudrais vous remercier de votre attention et souhaiter un excellent résultat à vos travaux. Je vous remercie.